Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 4 novembre 2024. Alors ce soir, à l'ordre du jour, je dois constater avant tout que nous avons quand même quorum, malgré que nous avons deux petits amis qui ne sont pas là ce soir, Mme Marie-Claire Pétro et M. Denis Lacroix. Daniel. Daniel! Ah, la chance! Ça doit être la coupe de cheveux. Là, tu fais une petite cuite. Oublie pas, faut que tu dises le lac, hein? OK, excusez-nous. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 7 octobre 2024, de la séance extraordinaire du 21 octobre 2024 et de la séance extraordinaire du 29 octobre 2024 également. Nous avons ensuite l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, suivie des correspondances, les comptes rendus des différents comités. Après ça, nous avons l'urbanisme avec Mme Bombardier ce soir, l'administration avec M. Saint-Amand côte -Roux. Nous avons après ça, l'administration est très longue ce soir. Ouais. Il travaille longtemps. J'ai remarqué. Ouais. Demande de conseil, demande de contribution financière avec M. Bussière. C'est marrant parce que ça rime toujours très bien, financière, bussière, tu sais. Nous avons ensuite les loisirs et les travaux publics, environnement et gestion des eaux ce soir, que ça va être M. Danny Boulier. Nous avons, en variable, nous avons un point. Hein? Oui, dans le fond, c'est modification d'une compensation pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire. Suivi d'une deuxième période de questions et de la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, oui. Alors, qui me propose cela? M. Bussière, appuyé par M. Boyer. Merci beaucoup. Alors, on procède ensuite à l'adoption du procès-verbal pour la séance extraordinaire du 7 octobre 2024. Pas de questions, des commentaires, tout est beau? M. Bussière propose, oui. Appuyé par M. Saint-Amand. Pour celle du 21 octobre, la séance extraordinaire, tout est beau aussi? Tout est beau. Qui est Mme Bombardier, appuyée par M. Boyer. Et pour celle du 29 octobre 2024, oui, ça semble comprendre. M. Saint-Amand, appuyé par M. Boyer. Ouais, ouais. Merci. Comme ça, quand ça roule. Ouais. Adoption de la liste des comptes à payer. Vous avez toutes les connaissances de la liste des comptes. Oui. Des questions, des choses. Non, tout est beau. Alors, qui me propose le Mme Bombardier, appuyé par M. Saint-Amand. Première période de questions. Est-ce que la foule en délire a une question ce soir? Il semblerait que non. C'est assez calme. On passe à correspondance. Qu'est-ce qu'on a la malle? J'en ai pas beaucoup de mal. Oui, d'autres depuis non plus. Hein, non. Ministère d'Emploi de Solidarité Sociale, fait du 13 au 19 octobre 2024, ça va être la semaine de la solidarité organisée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale. Et puis, la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté se tiendra le 17 octobre. OK. Pas mal. C'est tout? Oh, oui. OK. Il n'y a pas d'activité de... Non. De bouffe ou de... Ben non. De ça. Ah! Ça, il y a des affaires de main. Ah, ben, pour la liste de correspondance, bien sûr, M. Bussière, appuyé par M. Boyer. Les comptes rendus des différents comités, est-ce que vous avez quelque chose à dire ce soir ou vous n'avez pas beaucoup de jardin? Rien à l'OMH de particulier. Monsieur Boyer, au niveau des loisirs, est-ce qu'on a de quoi? Bien, on a l'ouverture des simulateurs de golf qui vient de se faire le 1er novembre. Si jamais vous voulez essayer ça, c'est vraiment de bonne qualité. Puis vous avez juste à vous réserver, c'est-à-dire sur le site du club de golf Valco. C'est très simple. Vous allez voir ça, ça vaut la peine. Il y a un petit bar casse-croûte en même temps aussi, fait que ça vaut la peine. C'est de la passion extérieure qu'on finit de préparer tranquillement, entrée d'eau, etc. Fait que j'ai juste à avoir du temps à froid pour qu'on puisse en profiter cet hiver. Mais sinon, les activités sont en cours et tout va bien. Ça va bien pour ça. Oui. Est-ce qu'on a, M. Bussière, quelque chose au niveau de budget? Non, budget, ça va bien. Alors, ensuite, le CCC, on donne nos... Point 9. Ouais, qu'on a établi tantôt. Et CPI Réal, la rencontre a été annulée. Exactement. Donc, on va la suite pour ça. Là. Rien de nouveau pour ça. Monsieur Saint-Amand. Oui, on a une réunion ce matin, justement, pour les ressources humaines. Oui. Il y a des questions là, du partenaire, des employés, entre autres.
stratégie de rétention d'employés un peu partout, dans le, que ce soit au privé ou au public. Il y a beaucoup de mouvements personnels, puis on essaie de trouver des stratégies pour attirer et garder nos employés. Mm-hmm. Et puis, on a discuté des suggestions, des demandes des employés pour l'année. D'accord. Alors, je voudrais souligner que, pas samedi passé, l'autre samedi d'avant, il y avait le repas pour le canard, là, à Saint-Claude. Oui. J'ai été là. C'était très bien. En passant, c'était vraiment bien. Avant, c'était du bison. Cette année, on y va avec eux. Ce qui est plus local, la star, le canard. Oui, c'était plus de, c'est pas de producteurs de bison. C'est ça, c'est plus à Saint-Claude. Et il y a un producteur de canard du Lac-Brome qui est sur le territoire, donc il fait ça. Ils ont changé la formule. C'était très bien. Vous étiez là? On était là. Vous m'avez aimé ça? Oui, c'était bien. C'est vraiment agréable. Ouais. J'ai bien aimé ça. Puis, l'autre chose, c'est qu'il y aura une séance de l'atelier avec les éoliennes à Racine. Le 12 novembre. Le 12 novembre, c'est pas une information, c'est quoi? Tu te souviens-tu, c'est quoi? Il faudrait leur valider, là, mais c'était au niveau des partenariats, entreprises aussi. Je pense que c'est l'après-midi, puis le soir, c'était avec les citoyens. C'est ça. Pour connaître, dans le fond, leur ouverture, etc. Sauf que ça vient en même temps que le grand rendez-vous de Valcourt 2030, le 12 novembre au musée, qu'on doit être inscrit. Au moins, c'est à la Cine. C'est des éoliennes, c'est à la Cine. Alors, mais c'est pour l'ensemble de la MRC. C'est ça. Oui, c'est tous les citoyens de la MRC qui peuvent aller là. De s'inscrire, par exemple, c'est bien important de s'inscrire pour qu'ils puissent connaître le nom, parce qu'il y a quand même une limite, la salle. Mm-hmm. Il n'est pas limité. C'est dans les nouveaux locaux de la Cine, la nouvelle salle, rénovée, c'est ça. C'est quand même intéressant, ça vaut la peine. Je vais vous souligner ça en passant. OK. On passe en urbanisme, Mme Bombardier. Donc, à 7.1, l'adoption du règlement 560-24, qui amende le règlement du village 560. Oui, entendu qu'un avis de motion a été donné et le premier projet de règlement adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 septembre 2024. Entendu que tous les membres du conseil ont reçu une copie du premier projet de règlement le 5 septembre 2024, une copie du second projet de règlement le 3 octobre 2024 et une copie du règlement le 31 octobre 2024. Entendu qu'un membre du conseil municipal a fait mention de l'objet et de la portée du premier projet de règlement. Entendu que s'est tenue le 30 septembre 2024 l'Assemblée publique de consultation dans le cadre du processus d'adoption du présent règlement et que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Entendu qu'un avis public a été publié le 8 octobre 2024 informant que le second projet de règlement pouvait faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës, afin qu'un règlement qui contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire soit soumis à leur approbation. Qu'aucune demande de tenue d'un registre n'a été déposée par ces personnes habiles à voter. Entendu que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. En conséquence, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 560-24 tel que rédigé. Et appuie. Monsieur Boyer, merci beaucoup. 7.2, l'adoption de la résolution PPR 0102-2024, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, le PPC-MOI, pour le 1590-1590, place de la Savard, construction de deux habitations multifamiliales de 16 logements. Entendu que le projet est susceptible d'approbation référendaire, le voisinage a eu l'opportunité de se prononcer sur son acceptabilité pour le secteur et une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 septembre 2024. Attendu que le projet est identique au projet qui avait été complété, les procédures du PPC-MOI conclues par la résolution d'adoption lors de la séance du conseil municipal du 15 août 2022 par la résolution 292-22-08-15. Attendu que la résolution que je viens de nommer
est caduque, étant donné qu'il n'y a pas eu de demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation validement et complète déposée à la Ville dans un délai de 18 mois suivant l'adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, entendu que la Ville de Valcourt a adopté le règlement du zonage numéro 560 et ce règlement est toujours en vigueur, entendu que le dit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone résidentielle R11, entendu que le propriétaire des lots 6,584,691 et 6,584,695 du cadastre du Québec, de forme irrégulière et d'une superficie importante, souhaite construire deux habitations multifamiliales isolées de 16 logements par bâtiment. Attendu que l'usage d'habitations multifamiliales en implantation isolée ou jumelée est autorisé jusqu'à un maximum de 8 logements par habitation. Attendu que pour autoriser le projet de façon traditionnelle, il serait nécessaire de modifier les usages autorisés dans la zone R11 afin d'augmenter le nombre maximal de logements autorisés par habitation. Entendu que le projet prévoit une densité comparable aux autres terrains sur la zone R11 sur laquelle des habitations multifamiliales sont déjà érigées. Entendu que le projet s'intègre aux usages et aux cadres bâtis et qu'on en retrouve dans la zone R11. Attendu que le projet prévoit des dérogations sur le nombre de logements par habitation, les marges d'exploitation des bâtiments, l'aménagement des aires de stationnement, le nombre de bâtiments accessoires et l'application d'un critère au règlement du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Entendu que la Ville de Valcourt a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles numéro 640. Attendu que les règlements sur le PPCMOI numéro 640 permettent d'autoriser à certaines conditions un projet particulier dérogeant à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville de Valcourt. Entendu que le projet est conforme au règlement de plan d'urbanisme numéro 559. Entendu conformément de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme a été consulté à l'égard du projet particulier et qu'une recommandation a été formulée à l'effet que le projet doit être bien intégré à la réalité du milieu de vie de la région de Valcourt et de la présence des réseaux de transport récréatif disponibles dans les environs. En conséquence, que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution. Je propose que le conseil municipal adopte la résolution PPR01-02-2024 par la construction des deux immeubles tels que mentionnés précédemment. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on confirme que c'était le même projet qui avait été fait dans le temps. On le reconfirme pour que ce soit validé, puis c'est pour toujours la construction de deux immeubles de ces développements en deux étapes, bien entendu. Ça va pour tout le monde? Oui. Qui appuie? Monsieur Saint-Amand, cette fois-là. OK. Ça va passer pour le J'ai vu ça. Il en manque un peu. Bien, merci beaucoup. Je comprends pourquoi Mme Pétour a pris des vacances. Ça va être mon tour. Administration, M. Saint-Amand. Ouais. 8.1, autorisation pour un emprunt temporaire. Oui, en fait, la loi sur les cités et villes prévoit qu'une ville peut contracter un emprunt temporaire pour le paiement de dépenses d'administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d'une subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes est assuré et contracté aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine. Il y a lieu d'obtenir justement un financement temporaire pour supporter les coûts d'un projet. Le financement prendra la forme d'un contrat de prêt portant intérêt au taux préférentiel de la Caisse Desjardins. Je propose tout simplement d'autoriser un emprunt temporaire au montant maximal de 1,203,949 $ dans le cadre du projet de réfection des rues Bellerive-Bernier. D'autoriser le trésorier de la Ville de Valcourt à faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins devant le Saint-François. D'autoriser M. le maire ou à défaut le maire suppléant ainsi que le trésorier à signer tous les documents nécessaires ou utiles au fin de la présente résolution. Alors, Mme Bourg, l'appui.
parfait. 8.2, un avis de motion. Oui, pour la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 645-1 portant sur la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Valcourt. Donc, je, Daniel Sedama, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du conseil municipal du règlement numéro 645-1. Je présente et dépose le projet de règlement à la présente séance. Ah. On avait un nom qui était un peu croche. C'est un reflet. L'objet de ce règlement est d'ajouter des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du conseil municipal. Tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 31 octobre dernier. 8.3, la fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes. En fait, ce que je propose, c'est que le conseil municipal accepte la fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes du 23 décembre 2024 jusqu'au 3 janvier 2025, inclusivement. Cette année, Noël, le jour de l'an, tombe en plein quart de la semaine. Là, c'est un mercredi. Hein? Donc, je propose aussi là, que tous les jours non fériés soient payés par la ville aux employés. Ces jours sont bien évidemment pas transférables ni monnayables là, pour la nature. OK. Qui appuie? Madame Montbardier. 8.4, séance du conseil municipal pour l'année 2025. Oui, encore une fois, la loi sur les cités et villes stipule que le conseil de toute municipalité établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure. Donc, je propose que le conseil municipal tiendra ses séances ordinaires pour l'année 2025 ici à la salle du conseil de l'hôtel de ville à 19h selon les dates suivantes, donc le 13 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril, 20 mai, 10 juin, 8 juillet, 18 août, 9 septembre, 1er octobre, 17 novembre et 1er décembre, ce qui fait les 12 réunions annuelles. Il y en a que ça va être le lundi, puis d'autres le mardi. Pourquoi? Je vais vérifier par exemple. Monsieur Bussière, bon. Qui est parfait. D'accord. 8.5, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de membres du conseil municipal. Oui, conformément, encore une loi, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, cette fois-ci. Monsieur le maire Pierre Tétrault, mesdames les conseillères Marie-Claire Tétrault et Vicky Bombardier, ainsi que messieurs les conseillers Danny Boyer, moi-même Danny Sedama et Julien Bussière, déposent à la présente séance la déclaration mise à jour de leurs intérêts pécuniaires et le conseil en prend acte. Pardon, les lettres se sont mélangées. Conformément à la cette loi, la LERM, le relevé de la greffière sera transmis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en identifiant que tous les membres du conseil précédemment mentionnés ont déposé devant le conseil une déclaration. Ça, c'est un dépôt, il faut que je pose un de... Parfait. Modification du kit média, publicité dans l'informateur. Oui, en fait, le mode de distribution de l'informateur va être modifié à compter de 2025. Donc, la ville doit en conséquence modifier le kit média pour ceux qui publient à l'intérieur. Donc, je propose que la ville de Valcourt accepte le kit média avec les modifications de la distribution intégrée, et ce, pour le même prix. Tout le monde lève le doigt? Oui. OK. M. Bombardier. On va laisser Mme Bombardier. M. Boyer, vous êtes le prochain. Le doigt. Vous en pas, il y en a en masse. OK. Oh, ouais. 8.7, création du poste journalier opérateur technicien en eau du service des travaux publics. Oui. Je propose que le conseil municipal autorise la création du dit poste dans la classe 5 de cette échelle salariale. Je prie. M. Bussière. 8.8, dépôt de l'état comparatif pour le budget 2024. Oui, c'est moi qui parle. En tant qu'assistante trésorière, j'ai plusieurs chapeaux, ceux qui en doutaient. Je dépose à la présente séance les deux états comparatifs. Ceux-ci sont signés par le trésorier Gerson Sands. Vous en avez reçu une copie. Le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'État est déposé, et ceux-ci de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier en cours au moment de la présentation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le greffier et ceux qui ont été prévus par le budget à cet exercice. Alors, c'est tout. C'est tout. Juste un dépôt. Et voilà. 8.9, appui de la ville de Valcourt à la coopérative de travailleurs d'ambulance de l'Estrie, de Vendôme-Rosemont, de la desserte ambulancière. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. On est bien content que ça revient. Et le dossier semble avancer, c'est un courageux. Donc, la coopérative de travailleurs d'ambulance de l'Estrie demande l'appui. Demande l'appui de la ville de Valcourt quant au rehaussement de la desserte ambulancière. Donc, propose que la ville de Valcourt appuie la coopérative de travailleurs d'ambulance de l'Estrie dans sa demande et plus particulièrement par la conversion de l'horaire de faction actuel vers une couverture de service 24/7 pour les services préhospitaliers d'urgence. Monsieur Boyer, cette fois-ci, je pense. Ça fait longtemps que je vais attendre. Enfin, 8.10, le plan triennal du Centre de services scolaires des sommets sur la répartition et la destination des immeubles 2025-2026, 2027-2028. En conformité avec, cette fois-ci, la loi sur l'instruction publique, le Centre de services scolaires révise annuellement le plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Ce processus de consultation annuelle prévoit que chaque municipalité desservie par le Centre de services scolaires des sommets peut donner son avis au sujet du plan triennal. Le Conseil a reçu le plan triennal pour consultation. Donc, je propose que le conseil municipal soit en accord avec le plan triennal tel que reçu et autorise M. le maire, Pierre Tétrault, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le rapport de consultation. Madame Montpartier, merci beaucoup. 8.11, la procédure extrajudiciaire et judiciaire. Oui, concernant MGS International Incorporé. C'est l'octroi de mandat, en fait, à la suite des inspections réalisées par le service de l'urbanisme et la régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt, l'immeuble situé au 915-925 rue Saint-Joseph, appartenant à MGS International Incorporé, constitue une cause d'insalubrité et de risque pour la sécurité des propriétés, notamment en raison de l'état de cet immeuble. Oui, notamment en raison de l'état du bâtiment qui se détériore par le manque d'entretien général de l'immeuble. L'état de cet immeuble contrevient à la réglementation municipale. Malgré les avis d'infraction et autres démarches réalisées, les causes d'insalubrité demeurent présentes sur l'immeuble. Donc, je propose que le conseil municipal octroie le contrat à l'étude de Cain Lamar d'entreprendre toutes les procédures extrajudiciaires et judiciaires appropriées et enjoigne le propriétaire de prendre toutes les mesures requises et d'exécuter tous les travaux ou toute démolition requis pour faire disparaître les causes d'insalubrité et de risque pour la sécurité des propriétés et empêcher que celles-ci se manifestent à nouveau. Aussi que le conseil municipal constate que l'immeuble constitue une cause d'insalubrité et de risque pour la sécurité des propriétés en raison de l'état du bâtiment qui se détériore par le manque d'entretien général de l'immeuble. Monsieur Bichard, parfait. Merci beaucoup. On passe ensuite à paiement pour l'Office municipal d'habitation de Val-Saint-François. Eh oui, encore. C'est pas mal. Donc, l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François a transmis à la ville une facture dans le cadre du programme supplément au loyer, le PSL. Donc, je propose que la ville de Valcourt verse à l'OMH un montant de $4,164.20. Il y a plus, c'est tout. Monsieur Boyer, c'est tout. Bon. Je sais que tu veux. Faites-vous en pas, il y en a d'autres encore. Office municipal d'habitation de Val-Saint-François, une approbation du budget révisé 2024. Donc, la Société d'habitation du Québec a présenté le budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François. Ce budget révisé doit être accepté par l'OMH et la ville de Valcourt.
Donc, je propose que la Ville de Valcourt accepte le budget révisé 2024 avec une nouvelle contribution financière qui est rendue à 50 971 $, soit 10% du déficit de 509 705. Madame Bombardier l'appuie. 8.14. Demande d'aide financière pour le groupe Média Régional Vanouest. Oui, la Ville de Valcourt a reçu une demande d'aide financière de groupe Média Régional Val-Ouest afin de lui permettre de poursuivre sa mission. Donc, je propose que la Ville de Valcourt verse à groupe Média Régional Val-Ouest à titre d'aide financière pour l'année 2025 un montant de 6 798 $. Bien, M. Bussière. Parfait. Et finalement, 8.15, l'offre de service accompagnement en sécurité civile. Oui, c'est tout simplement une autorisation de signature. Donc, étant donné l'offre de service de la firme Prudent concernant l'accompagnement en sécurité civile pour l'année 2025 dans la poursuite des travaux de maintien des mesures d'urgence et de sécurité civile pour Valcourt et Région, je propose que la Ville de Valcourt accepte l'offre de service pour un montant de 7 237 $ et que ce montant, le montant applicable de cette offre de service soit partagé en part égale entre les municipalités participantes. Et finalement, que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville l'offre de service mentionnée précédemment. On parle de 7 municipalités, c'est ça? Oui. Okay. Qui appuie? Oui. Madame Bombardier, merci. Je vous invite à venir. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, M. Sapin. On s'en va en demande au conseil et demande de contribution financière avec M. Bussière. Oui. Une première demande pour les pionniers de Valcourt. Effectivement, c'est pour réserver un espace publicitaire dans leur carte de sentier qui nous offre une vitrine là, pour la Ville. En fait, suite à la rencontre qu'on a eue du CCC, je propose que la Ville de Valcourt verse le montant de 380 $ au Club des pionniers de Valcourt afin d'avoir l'espace publicitaire dans leur carte des sentiers. Madame, on va appeler. Oui. Merci. Deuxième demande, cette fois-ci avec l'Association de hockey mineur de Valcourt. Oui, mission. L'Association du hockey mineur de Valcourt a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de leurs activités. Je propose que la Ville de Valcourt octroie une aide financière de 425 $ à l'Association du hockey mineur de Valcourt dans le cadre de la poursuite de leur mission et que les fonds nécessaires au paiement de ces dépenses seront puisés à même le poste budgétaire 02-590-00-970. M. Boyer, qui appuie. On y va avec une autre demande d'aide financière pour l'Association du hockey mineur de Valcourt, mais cette fois-ci pour le Festival provincial. Oui. Dans le fond, c'est pour la deuxième édition du Festival provincial du Bombardier de Valcourt. La mission de cette association est d'offrir un espace récréatif et pédagogique qui accueille la population générale et qui offre des cours à plusieurs catégories de gens, dont les enfants et les adolescents. Je propose donc que la Ville de Valcourt verse à l'Association du hockey mineur de Valcourt la somme de 300 $ à titre d'aide financière dans le cadre du deuxième tournoi du Festival provincial de Bombardier de Valcourt qui se tiendra à l'Arena le 29 et 30 mars 2025, à mettre au calendrier, ainsi que les 5 et 6 avril 2025. Les fonds nécessaires pour mettre de dépense seront pris dans le poste budgétaire 02-590-00-970. Madame Bombardier, d'accord. Merci. On s'en va avec une demande de soutien financier pour un voyage humanitaire, c'est ça? Oui, qui est une demande qui vient de Madame Adèle Desmarais dans le cadre d'un voyage humanitaire suite à la rencontre qu'on a eue du CCC, Comité consultatif des commandites. Je propose que la Ville de Valcourt refuse la demande de soutien financier puisqu'elle ne rencontre pas les exigences qu'on s'est dotées dans notre politique de commandite. M. Saint-Amand qui appuie. Et finalement, c'est la demande d'aide financière pour les Chevaliers de Colomb. Oui, nous avons reçu la même demande qu'on reçoit annuellement. Alors, je propose que la Ville de Valcourt verse une aide financière de 350 $ à l'organisme Les Chevaliers de Colomb afin de lui permettre la mise sur pied de projets qui viennent en aide aux citoyens les plus vulnérables et collaborer avec les organismes sociaux communautaires de la région de Valcourt. Bien, j'appuie. Madame Montpapier, merci. Merci beaucoup, M. Bussière. Ça fait plaisir. On s'en va au loisir avec M. Moyer. Je vais juste me retirer du premier de ce point-là. Ah oui, pas de problème.
on vous permet d'aller faire un petit... Vas-y, fou, là. Parfait. 10.1, l'achat de thermopompe pour l'octroi de contrat. Oui, la Ville doit adresser les thermopompes au centre communautaire, dans le fond. Après une recherche de prix effectuée par le directeur des services de loisirs, je propose que la Ville achète 4 thermopompes de l'entreprise Climat Thermo CPL incorporée, conformément au prix soumis le 23 octobre 2024 au montant de 17 530 $ plus taxes. Les fonds seront puisés au poste budgétaire 23 080 00596. OK. C'est pour le centre communautaire, ça. Oui, madame, on va bien Juste pour mon information, monsieur le maire, monsieur le conseiller, pouvez-vous m'indiquer la raison pour laquelle vous vous retirez du vote? La compagnie de ma conjointe a soumissionné dans le contrat. Parfait, merci. D'accord. C'est qui a. Madame, on va bien. C'est la seule madame que j'ai. Vous pouvez venir, monsieur Bichard. Merci. 10.2, l'achat d'un débitoir électrique. Oui, on veut installer un débitoir électrique à la patinoire extérieure pour faciliter l'arrosage. Après une recherche de prix effectuée par le directeur des loisirs, je propose que la ville achète un débitoir électrique de l'entreprise des installations sportives Agora au montant de 8 915 $ plus taxes, selon l'offre soumise le 23 septembre dernier. Les fonds nécessaires seront puisés au poste budgétaire 23 080 00012, plateforme extérieure. OK. Qui appuie? Monsieur Saint-Amand. C'est un électrique parce que c'est tellement lourd que ça ne peut pas faire la main. C'est ça, on a un boyau de 200 pieds environ d'un pouce et demi. Rouler ça à main d'hiver. Avec la main, tout le temps, la glace, puis tu blesses. C'est pour ça que ça a pris que. C'est tout à fait de... pas le même débitoir qu'on a à la maison. Non, c'est un peu plus gros. Merci beaucoup. Achat d'un conteneur, abrogation de la résolution 314-24-10-07. Oui, en fond, ça, on avait adopté lors de la séance du 7 octobre dernier la résolution 314-24-10-07 à travers l'acquisition d'un conteneur à être installé à la patinoire extérieure pour permettre aux utilisateurs d'accéder au lieu éclairé chauffé pour changer ses batteries finalement. Le fournisseur exigeait d'être payé avant la livraison du conteneur, ce qui est contraire à nos manières de contrôle de dépenses de la ville. Donc, je propose que la ville aborde la résolution 314-24-1007 pour laquelle cette dernière achète de l'entreprise GES Conteneur, un conteneur de 20 pieds chauffé, isolé et installé à la patinoire extérieure, notamment pour un motif mentionné précédemment. J'appuie fortement. Je vous remercie d'aller donner de l'argent sans avoir la marchandise. Ce qui se passe dans le monde des conteneurs. Ben, oui, ça me tient qu'il y a beaucoup de fraude. On a été bien avertis par une chère collègue. C'est bien correct. Oui, quand même. OK. On y va ensuite avec 10.4, demande d'aide financière pour l'école de la Chantraine. Oui, la Chantraine demande à la ville une aide financière de 2 000 $ pour l'année 24-25 dans le cadre du projet de réfection du parc-école. Donc, ils veulent améliorer leur parc-école. Je propose donc que la ville accepte la demande d'aide financière de 2 000 $ à la Chantraine. Monsieur Bouchier, parfait. Ouais. Le parc, c'est du côté, on appelle ça des graines, le côté des graines. Là. Mm-hmm. Il commence à avoir besoin d'amour. Tu avais enlevé des installations dans le passé, peut-être qu'ils veulent. Même justement, faire l'installer. C'est pas donné, ces installations-là. Il n'y a pas grand-chose de donné. Non, non, non. Des containers. Ouais, surtout si on les paye d'avance. 11. Les travaux publics, l'environnement et la gestion des eaux. Encore, M. Boyer. Encore moi. On y va avec deux décomptes progressifs. Un pour la réfection des rues Bellerive et Bernier. Oui, je propose que la ville, le banque autorise le trésorier à émettre le paiement au montant de 479 104,56 $ plus taxes à l'entrepreneur Bertrand Stigui incorporé relativement aux travaux réalisés dans le cadre de la réfection des rues Bellerive et Bernier, tels que recommandés par M. Pierre Grondin, ingénieur, dans sa lettre datée du 24 octobre dernier. La ville autorise la directrice générale ou la greffière à signer pour et au nom de la ville le décompte progressif numéro 2. Monsieur Richard Capu. Et l'autre décompte, c'est pour le pavage 2024 de la place de Samar, la rue Champêtre du boulevard des Érables. Oui, propose donc que la ville autorise le trésorier à émettre le paiement au montant de 297 101 $
plus taxes à l'entrepreneur Pavage Masculin Incorporé, relativement au travaux réalisés dans le cadre du projet du pavage de Place de Saint-Maur, la rue Champagne et le boulevard des Érables, tel que recommandé par M. Craig Mondet dans sa lettre du 25 octobre dernier. La Ville autorise la directrice générale de faire signer pour le nom de la Ville des comptes projetifs numéro 1. Monsieur Bussière. Oui. Merci. Je pensais que tu avais fini, mais. Non, pas de tabou, je te dis. D'accord. Ben, merci beaucoup pour les deux volets. Parfait. On s'en va ensuite au balayeur. Le point 13.1, c'est ça? Oui. C'est modification d'une compensation pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire. Tandis que la ville de Valcourt a adopté la résolution 284-24-09-09, modification des compensations pour l'utilisation de téléphone cellulaire et l'ajout d'un fournisseur cellulaire lors de la séance du 9 septembre dernier, attendu que l'augmentation de la compensation pour l'utilisation de l'appareil cellulaire de Mme Jacinthe Charon, adjointe exécutive, doit être abolie et celle-ci doit être fixée au taux antérieur au 9 septembre. Il est résolu que la Ville de Valcourt abolisse l'augmentation de la compensation pour l'utilisation de l'appareil cellulaire de Mme Jacinthe Charon, adjointe exécutive, et celle-ci doit être fixée au taux antérieur au 9 septembre 2024. Je ne peux pas voir. Ah, ok. Mme Bombardier propose, M. Boyer appuie. Merci. Pas d'autres points? Non. Ok. Je voulais juste mentionner deux petites choses. Il y avait des beaux personnages qui ont été installés dans le terre-plein en avant de l'école primaire. Je voulais vous faire remarquer, puis un gros merci à Mme Bombardier. C'était vraiment très bien. Puis, il y a une belle odeur. Vraiment, c'était très bien. Là. Puis, chapeau. Vraiment, c'était quelque chose de cute. C'était joli. De la vie. Puis, ça va durer longtemps, là, ça. Ouais, bon, ok, après ça, on est pas bon. On leur met des chapeaux de Noël. Ben, c'était vraiment bien. L'autre chose, c'est que la semaine dernière, j'ai assisté à Malicourt. C'était l'événement de Mme Lise Désiel pour le fait qu'elle a eu un prix comme personnalité d'affaires. Je ne me souviens plus les deux. Au niveau de la Chambre de commerce. Régionale, en tout cas. Il y a eu une petite fête pour elle qui a été faite. Très bien. C'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment intéressant. On dit à madame, chapeau. Elle fait un très beau travail. Puis ça blague, c'est peut-être même une petite cousine à moi, chacun. On est en train de chercher son dédaigné de parenté du côté de ma mère, c'est pour ça. C'était vraiment une petite fête qui s'était faite par la Chambre de commerce qui essaie de repartir ici en région. C'est quelque chose de plaisant. C'est notre citoyen. Exact. S'il y a d'autres questions, non, il ne semble pas qu'il y ait d'autres questions. Hein? Alors, on sera rendu à la levée de l'Assemblée, hein, M. Saint-Amand. Non, non, parce que je pense. Ah, non, je savais que tu es assis à la place de Dani. Donc, je propose la levée de l'Assemblée. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Fait que, rappelez encore que si vous voulez venir soit au grand rendez-vous qui est la semaine prochaine ou de. Le dos, vous excusez. Au musée, inscription préalable. Et où bien gratuit. Pour les éoliennes, oui, mais il faut au moins aviser. Sinon, les éoliennes en racine aussi, puis là aussi, c'est une inscription du Népal. Vérifiez les événements que vous regardez pour pouvoir préciser. Merci beaucoup et on se voit le mois prochain. Merci, à vous.